En tout cas, j'ai pas le temps de souffler. Que j'ai déjà diffusé. Enfin, ce va être sur mon troisième match d'affilée. En tout cas, en live. En tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo. En tout cas, bien aimable d'être présent. Nous sommes toujours le 9 avril 2020. Et, il est donc 20h07. Changement 7. Eh bien, bonsoir et bien bonjour encore une fois. J'espère que vous avez passé donc un bon jeudi à nouveau. En tout cas pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo ou voire arrivent à peine sur le stream. Bon, je vais rejoindre la partie de Monsieur Ludovic. Donc en tout cas, réinstallez-vous confortablement. Tant récupérer votre place habituelle, hein, si vous êtes bien en tout cas sur votre siège de tout à l'heure. Et sinon, changez de place, hein, vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, vous ne serez pas serré. Mais par contre, je vois écran en partie. Je ne sais pas si c'est normal. Quand même poser des questions parce que bon ça, je veux pas que ce soit comme la dernière fois avec une erreur est survenue. Tiens donc, ah bah ça commence fort. Parce que si je demande à monsieur Chris, je pense que lui, vu sa connexion, il doit pas être terrible. On va retenter. Tout à l'heure, ça a fait fonctionner, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait plus. Ah, vous êtes le propriétaire de la partie. Donc je pense qu'il s'est cassé. Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il a encore foutu? On va quitter, hein. Bon, bah, je vais attendre que monsieur Ludovic me réinvite. Ouais, non, c'est tombé, ouais, je m'en doute, hein. Vu la dernière fois que ça avait tellement lagué. Ah, j'ai reçu une invite. De maintenant? Ouais, à l'instant. J'arrive! En tout cas, bien aimable d'être venu, en tout cas, là, pour ton match. Alors, en tout cas, j'espère que ça passera mieux qu'avec monsieur Jonagol 6 pièces qui s'est fait démonter de 11-0. Voilà, donc là, ça se relance. Et donc, comme tu m'as demandé, j'ai gardé le costume. Voilà. Rien que pour ton match. En tout cas, du championnat. Ah, c'est parfait! Ça fonctionne bien. Hop là! Voilà, donc j'ai prévenu. Ok, c'est bon. C'est parti! Let's go, donc Manchester City du côté du Standard, je m'en doute un petit peu sur mon Standard City, et donc le Real Madrid pour Luminal City. Un match qui s'annonce assez bon parce que je pense qu'il joue le haut du tableau, hein, donc ce n'est pas n'importe quel match. Hein. Ça va être un match assez intense, en tout cas pour ceux qui sont neutres dans ce match, je pense qu'il va y avoir, du sport, hein. Messieurs, dames, en tout cas de ce que je vois, vous êtes 7 sur le stream. En tout cas, bien aimable à tous ceux qui sont qui ont essayé là depuis le début, et en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver aussi. Et voilà donc au stade Etihad Stadium, avec donc Manchester City, Real Madrid. C'est parti. Avec De Bruyne, Aguero, De Bruyne, Gundogan qui donne sur Cancelo, Fernandino, Walker, Mahrez récupéré par Mendy avec Mendy sur la gauche. Est-ce qu'il va le mettre dans l'axe? Oui, il met dans l'axe, mais récupéré par Laporte, De Bruyne qui se fait contrer. Ah, Casemiro, Hazard,
Hazard bien joué sur Casimiro. Est-ce qu'il va frapper? Il frappe, mais la défense est présente. Donc la porte, bien joué de la porte. Ici avec donc renouveau la porte. La porte avec Walker. Walker qui met donc sur Mahrez. Mahrez, Fernandinho, De Bruyne, Kevin De Bruyne, Gundogan. Agüero, est-ce qu'il va mettre sur De Bruyne? Non, il le met sur la droite. Il aurait dû la contrôler, hein, Mahrez. Un peu trop longue, je pense. Un peu trop longue. Donc ici, avec Benzema. Benzema avec Hazard. Hazard ou avec un mur de défenseur de City. Mais ça passe avec Casimiro. Casimiro, il passe. Est-ce qu'il va frapper? Il frappe. Et Ederson, bien intervenu, en tout cas, bien joué de la part de Ederson. Corner pour donc Kroos. Kroos dégagé par la porte de Bruyne qui va essayer de se dégager, mais Bale était présent. Qui donne ici, c'est avec Walker. Walker, Agüero. Agüero, Sané. Sané sur la gauche, ça part sur la gauche. Donc à 4 contre 2, mais Sané a l'avantage. Est-ce qu'il va frapper? Non, il le met dans derrière, mais avec De Bruyne c'était compliqué cette passe. Mahrez, oh là non, là c'est une passe tellement à l'aveugle, pas très bonne. Ici avec Bale, Marcelo avec Hazard qui met sur Benzema, Hazard, une touche de bas, c'était bien joué, mais bien récupéré en défense. Mahrez contre-attaque avec Agüero qui met sur De Bruyne et qui est dans la sécurité tout seul face au gardien. Le gardien est sorti, lob et le poteau. Oh, le poteau, Mister Poteau est de retour, messieurs, dames. Première tentative et poteau. Avec donc ici Cancelo, la porte qui récupère bien du côté de City. Par contre, à chaque fois que Guillaume, ça me donne soif. J'ai mal à la gorge. Ça fait du bien. Alors, Gundogan, Sané sur la gauche. Sané qui rentre dans le rectangle. Est-ce qu'il va centrer? Oh, et Courtois qui était présent. Bien joué de la part de Courtois. Relance à la main sur Benzema. Oh, Benzema par contre, pas très bien joué. Cancelo avec City, Sané sur la gauche, il rentre dans le rectangle, il joue derrière, un peu trop loin derrière d'ailleurs, c'était bizarre, mais ça passe. Non, ça passe pas. Dégagement, voilà, un peu au secours pour le Real Madrid. Récupéré directement par Walker. Walker sur la droite avec donc Mahrez. Mahrez, Mendy il est devant lui, avec Vinicius Junior, Walker. Walker Gundogan, récupération Casimiro, contre-attaque pour le Real Madrid à 2 contre, à 3 contre 4, Benzema. Benzema, Casimiro avec la part récupère donc avec Mahrez. Mahrez, Gundogan, Mahrez sur la droite avec qui Mendy essaie de l'intercepter, mais non. Mendy qui fonce toujours sur Agüero, De Bruyne sur la droite avec Mahrez qui rentre dans le rectangle, il va frapper, il veut pas frapper, il frappe en roulé. Et donc Courtois qui est présent, il fallait qu'il frappe. Il faut qu'il essaie ses frappes en roulé, il faut que des fois qu'il frappe directement au lieu d'essayer des trucs pareils quoi. Incroyable. Alors De Bruyne qui met sur Mendy, Gundogan qui l'a récupéré bien avec la porte Agüero. Qui centre Agüero? Non, il n'y a personne. Récupéré par Kroos. Kroos qui met à droite sur Bale. Bale qui rentre dans l'axe avec Hazard. Hazard à 4 contre 2, contre 3. Ça commence à revenir en tout cas pour... Oh oui, le Real Madrid qui va peut-être frapper. Il frappe. Je me demande s'il n'a pas été touché. Non, oui, non. Belle tentative d'Hazard, mais un peu trop sur la gauche. Et directement joué par City. Mahrez. Oh, je fatigue, pardon. Fernandinho avec Agüero, qui met sur De Bruyne qui va rentrer dans le rectangle. Est-ce qu'il va frapper? Non, il ne frappe pas, il a été bien récupéré par Varane. Et oh là, monsieur McFly, en tout cas, bien le bonjour, monsieur John Wick, si je me trompe pas. En tout cas, j'espère que vous passez donc un bon jeudi. Alors ici, Marcelo avec de Kroos, épaule contre épaule, Benzema, très mal joué de la part de Benzema, récupéré par Mendy, Ramos, Kroos, Casimiro, Kroos dans l'axe avec Benzema, mais il y a une défense, en tout cas un mur de défenseur du côté de City, très bien joué en tout cas, De Bruyne, Fernandinho qui joue sur la droite avec Walker avec Mahrez. Par contre, je vais juste... Ah, mais le micro était bien mis, d'ailleurs. De Bruyne avec donc Cancelo.
Quand c'est avec Sané, Sané qui va rentrer. Non, Sané qui voilà, il joue avec en tout cas avec Cancelo. Gundogan, Gundogan avec Fernandinho, Gundogan, Gundogan avec De Bruyne, De Bruyne avec Fernandinho, Fernandinho, non, dommage, Courtois, Courtois, belle intervention de Courtois, bien joué Marcelo, contre-attaque, Benzema, Benzema, Marcelo, Marcelo avec Hazard, Hazard, oh non, il a trop tourné en rond. Belle récupération du Real avec Kroos, Kroos, Casimiro, Casimiro qui met sur Benzema, Benzema avec Hazard, Benzema qui se fait un peu bousculer par un défenseur mais qui n'a pas faute. Longue balle pour Mahrez, mais Mendy la récupère assez bien. Avec Ramos, il reste 2 minutes de temps additionnel avec Hazard, 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 Vinicius ici avec Sané, récupération City, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, peut-être la dernière occasion avant cette première mi-temps avec ici Mahrez, Mahrez qui met donc sur Sané, mais non, très mal joué. Et donc la première mi-temps 0 à 0. Il y a eu des occasions de chaque côté. Et on vient d'assister à un très beau bras de fer. En tout cas, voilà, les statistiques le montrent. Donc 3 et 4, 2 et 1 pour les tirs. Il y a plus de possession de balle du côté de City, il y a quand même 60%. Précision de tir, c'est vrai que du côté de Real Madrid, c'était beaucoup moins cadré que le Manchester City. Et la précision de passe, c'est vraiment quasi à égalité. Donc merci la régie en tout cas d'avoir laissé les statistiques. Vous pouvez donc laisser faire les changements si besoin pour Manchester City. En tout cas, voilà, très très beau match. Par contre, manque de but pour les joueurs neutres. Bah, ça viendra, je pense que ça viendra. Il suffit d'un peu voilà, de chance. Mais là, donc 0-0 pour la deuxième mi-temps. C'est parti. Et donc, c'est le Real Madrid qui a donc le ballon pour cette deuxième mi-temps avec Varane. Et il y a eu un petit changement avec donc Kroos qui est sorti avec Modric. Et Casemiro qui est sorti pour Valverde, pardon. J'avais du mal à le dire. Avec Ramos, Ramos qui met sur Hazard, Hazard qui passe, Mendy aurait dû continuer mais il fait la passe à Mendy, Mendy qui met sur la gauche avec Vinicius Junior, et qui centre, ah, récupération Mendy, Mendy non, ah la défense était deux sur le ballon, bien joué en tout cas de Manchester City avec Mahrez qui part sur la droite, avec une ligne de défense de 4 défenseurs du côté des Real contre 2, et là voilà ils sont à 4 contre 4, mais la défense revient, là voilà la défense... Bien revenu en tout cas de la part du Real qui récupère ce ballon, qui met donc à Mendy, Mendy avec Vinicius Junior, Modric, Modric, Benzema, par contre pas terrible la passe de Benzema, récupéré donc ici par City avec Stone, Stone, Cancelo, Cancelo, Cancelo toujours qui joue, Bale qui essaie de jouer, De Bruyne, oh De Bruyne qui se fait un peu se bousculer mais la récupère assez bien, Gundogan, Gundogan toujours qui donne à Cancelo. Cancelo, changement d'aile, enfin plus ou moins un changement d'aile avec Laporte, Laporte, Walker, Walker, Fernandinho, Fernandinho, Laporte, oulala, le dégagement en sortie, vraiment, il le faut, je dégage, on verra bien, voilà, voilà, donc ici avec Mendy, pour le Real Madrid, Modric, Modric, Valverde, récupéré par Stone, dégagement, ah, est-ce qu'il peut, il peut la récupérer, hein, peut-être, non, il la récupère pas, Varane, ah, il était hors jeu d'ailleurs, est-ce qu'il va y avoir un changement, non, pas de changement, on continue, Ramos, à Mendy, pardon, Mendy, Modric, Modric qui passe, et il continue sur son lancer, Modric, est-ce qu'il va le, maintenant, Agüero l'a bien, est bien intervenu, avec Walker, Mahrez, Agüero, Agüero qui change, c'était tout juste, mais ça passe avec Sané, Sané, toujours Sané qui met sur Gundogan, Gundogan, Agüero, Agüero qui met sur De Bruyne, De Bruyne, il faut qu'il joue malin, il faut qu'il joue malin, oh la frappe, la frappe sur la transversale, alors là, Mister Poteau transversal de retour sur vos écrans, c'est quand même le deuxième, hein. Il doit avoir la tension, il a envie de se balancer la manette, mais non, là il en a besoin pour pouvoir gagner ce match, hein, parce que pour l'instant il en est capable, hein, mais comme bien sûr le Real Madrid. Hein. Donc ici Courtois, Courtois avec Varane, 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 Marcelo, Marcelo sur Benzema, Benzema, Hazard, Hazard, oui très bien joué, Benzema, Benzema qui la récupère quand même, ici il va le mettre Hazard, Hazard devant le gardien, il frappe, Ederson très bien intervenu. Une frappe sur le gardien, très bien intervenu en tout cas, du gardien de Man City. Sané, Sané qui joue avec De Bruyne, De Bruyne, est-ce qu'il va la jouer derrière? Non, il continue sur sa lancée. De Bruyne qui... Ah
non, 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 très mal joué, très mal joué. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Ici avec Bale. Bale avec Benzema. Benzema, Vinicius Junior qui met sur Hazard. Hazard qui met sur Benzema. La défense, il ne sait plus où il est. Mais la récupération, bien, bien joué de la porte. Fernandinho. Fernandinho contre-attaque directement avec donc Mahrez. Mahrez sur la droite avec un 4 à 5 contre 3. Est-ce qu'il va avoir un centre? Un centre et le gardien, je pense, intervient. Courtois. Avec son presque 2 mètres de haut. Faut quand même pas le prendre pour un con, Courtois. Ici avec Agüero. Ah, très mal joué. Modric a bien récupéré en tout cas ce ballon. Avec Hazard. Hazard avec Benzema. Est-ce qu'il va jouer avec Hazard? Non, il joue avec donc Bale. Bale sur la droite qui va se faire presser par Cancelo. Non, oui, non, non. Il va se faire par Stone. Stone est pressé par Stone. Benzema. Benzema, il joue avec Hazard. Ah, dommage. Il manquait la petite dernière intervention. Dommage. En tout cas, bien joué. Ici avec donc Gundogan. Gundogan qui met sur donc Agüero, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Agüero, et il y a faute. Il a laissé l'avantage, mais il y a faute. Donc coup franc pour De Bruyne. Coup franc, rien à dire. Même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc. Ah, donc ce ballon dans la surface. De Bruyne, est-ce qu'il va mettre une lucarne? Oui, la lucarne. Il frappe et sur le mur. Enfin, dans le mur plutôt. Mais quand même récupéré par Mahrez qui centre et Courtois bien intervenu. Belle intervention de Courtois en tout cas avec ici Laporte. Laporte qui se fait quand même presser par Bale. Il va pas se laisser faire, hein. Il va pas se laisser faire. Bien joué en tout cas sur Cancelo. Cancelo qui met à De Bruyne. De Bruyne, est-ce qu'il va frapper le... Ah, il y a une pause qui demandait en tout cas de l'équipe adverse. Mais il faut qu'il attende que le ballon soit sorti ou qu'il y ait une faute. En tout cas, là, Modric. Modric qui donne sur Benzema. Benzema avec Vinicius Junior. Il se fait bousculer. Est-ce qu'il la récupère? Stone, bien joué en tout cas. Ederson. Le ballon qui est perdu. Ederson qui tient le ballon. C'est quand même dangereux, hein, parce que s'il perd le ballon, ça peut être une occasion de but pour le Real Madrid. Mais bien joué en tout cas. Le beau dégagement. Mais récupéré Marcelo. Par le Real Madrid avec Marcelo. Marcelo Benzema. Gundogan récupéré de City. De Bruyne. Directement récupéré par le Real Madrid. Là, c'est du tac au tac pour l'instant. Valverde. Benzema. Benzema. Ah, il aurait dû jouer à Valverde. Valverde. Mendy. Qui donne sur Benzema. Valverde. Valverde Benzema. Est-ce qu'il va tenter? Non, la porte intervient bien. Mais oula. Non, vous jouez avec les sombres, monsieur Benzema. Il s'est trompé d'adversaire. C'est bien bizarre. Et il reste quand même, mine de rien, il reste quand même que 7 minutes. Hein. Il reste que 7 minutes. Voilà, donc le centre. Centre, donc. Ah, dommage. Ouais, ici donc c'est la porte de Bruyne. De Bruyne, Agüero. Agüero, est-ce qu'il va frapper? Non, il ne frappe pas. Si, oui, non, il va frapper. Oh, au-dessus. Au-dessus en tout cas. Ah, oui, c'est vrai qu'il y avait une petite pause. En tout cas, j'ai encore des pertes d'images. Ça commence à me casser les couilles. Connexion de merde. Donc désolé pour ce fan de match. Si vous avez du mal à le suivre, mais j'ai des soucis d'internet, c'est quand même étrange. Peut-être que je redémarre la boxe. Donc veuillez m'excuser en tout cas si vous avez des soucis au niveau des images. Je ne peux rien faire d'autre à part relancer OBS. Donc vous devez, vous verrez en tout cas le reste du match sur YouTube. Malheureusement. Donc ici avec les changements, Gundogan, Silva, Djokovic, Benzema. Et j'en ai vu un, enfin il y en avait un autre, mais malheureusement je ne l'ai pas vu. Donc ici avec De Bruyne. De Bruyne donc avec Agüero. Mais la défense est présente en tout cas pour le Real Madrid qui la dégage en touche. Elle a une touche bien placée pour ça. Il la dégage en touche. Mais en tout cas, ça me casse bien les couilles pour le stream. Fait chier. Alors, centre pour City. Est dégagé en tout cas en corner du côté du Real Madrid. Donc De Bruyne qui va le tirer. Ah. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non, oui, non, oui, non. Alors, corner De Bruyne. Ah, Courtois qui intervient bien. La porte qu'il a récupéré, est-ce qu'il frappe? Oui, il frappe. Bon, là, un peu trop facile. Il reste donc 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. Djokovic. Avec Hazard avec Vinicius Junior qui va se retrouver devant, peut-être devant le garder tout seul. Qui donne à Hazard, il frappe. Oh non. Oh, c'est quoi cette frappe de merde? Oh, la frappe dégueulasse en tout cas de Hazard. Qui là, il aurait pu tuer le match parce qu'il restait vraiment que quelques secondes après. Incroyable. Le deuxième qui a un petit peu freiné. Voilà, donc c'était 0-0 Manchester City contre
le Real Madrid. Ce fut un beau match en tout cas. Peut-être pas, comme j'ai dit, pour les téléspectateurs neutres, mais en tout cas pour les ceux qui on va dire, connaissent bien le football en général, en tout cas, c'était un très beau match. Bon, par contre, je pense que ça sert à rien que je continue au niveau du live parce que je pense que c'est foiré au niveau de la fin. Donc, messieurs, dames, pour ceux qui ont assisté en tout cas à ce match, je tiens à vous remercier. Vous étiez quand même 7 en tout cas à suivre ce match. Je tiens à vous remercier tous. Ce fut ce dernier match en tout cas de cette soirée. En tout cas, bien merci en tout cas de l'avoir suivi. Je vous souhaite donc la bonne soirée et surtout, faites attention à vous. Comme